je vais déclarer le 47e Festival Off d'Avignon ouvert. J'avais préparé quelque chose à vous dire, mais les circonstances sont un petit peu difficiles. Alors quand même, je vais vous les dire. Je voulais vous dire bravo, bonjour et bravo pour votre audace, pour celle qui fait que vous suivez le geste fait il y a 47 ans par un jeune créateur avignonnais qui s'appelait André Benedetto et qui nous a quittés il y a bientôt 3 ans. Depuis ce geste libre et fragile, vous n'avez cessé de venir rendre hommage au spectacle en suivant l'appel de votre vocation personnelle. En 2012, c'est-à-dire cette année, nous sommes 8000 artistes, 8000 membres d'équipes artistiques qui allons jouer 1161 spectacles dans le plus grand théâtre du monde, devant des milliers, des centaines de milliers de spectateurs. Tout ce monde qui fait que désormais, dans le off, en moins d'un mois, il y a 25 000 représentations. Vous pouvez applaudir parce qu'on me demande à chaque fois, on nous demande à chaque fois si ça n'est pas trop. Mais chaque spectacle qui se joue dans le off est une question. Et chaque question est une richesse. Est-ce qu'on peut se désoler qu'il y ait tant de questions et donc tant de richesses en France? Et que ce soit ici que cette richesse se rassemble. Ce foisonnement aurait-il lieu si le peuple de l'art vivant, c'est-à-dire vous, mesdames et messieurs, ne sentait pas qu'ici, à Avignon, dans le off, se joue la vie même du spectacle. Que ce off répond à une nécessité mystérieuse, celle de poser des questions à notre société et d'essayer encore, d'essayer toujours de trouver des réponses. C'est précisément ce qui fait la grandeur de notre art. Alors vous, public, et qui faites la renommée et la force du off. Vous, compagnie et professionnel, programmateur, prescripteur, nous vous donnons rendez-vous tous les jours au village du off, rue des Écoles, pour se rencontrer, échanger, boire un verre à la terrasse de notre bistrot, trouver des tracts des spectacles, et ensemble, contribuer à développer les problématiques spécifiques qui sont liées aux compagnies indépendantes qui viennent à Avignon. Et il faudra trouver à partir de maintenant des modèles privés de financement public et européen. En 2012, nous allons continuer ensemble à faire vivre le off. Alors encore et toujours, bon festival à toutes et à tous. Et comme hier il pleuvait, on dit toujours premier jour pluvieux, tous les jours heureux. Merci, bon festival.